Salutations, c'est Cascal et aujourd'hui on va parler de jeux de société. Enfin, pas directement de jeux de société, on va parler un petit peu de matériel lié aux jeux de société, comme par exemple les tapis en néoprène ou pourquoi je vais souvent chez Action. On va parler de boîtes et de trucs un petit peu du genre et ça pourrait vous intéresser. Surtout si vous êtes fan des jeux d'Alexander Pfister, par exemple, un nom parmi d'autres, hein, mais vous allez comprendre. Bon voilà, là je vous montre un tapis que j'ai depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, il m'a très peu servi parce que je ne joue pas beaucoup au jeu, pour être honnête, One Deck Dungeon. Donc ça, c'est un tapis pour One Deck Dungeon. C'est très agréable de jouer avec ça, hein, ça fait pas de bruit. On a des emplacements prévus pour bien mettre nos cartes, comme ça on ne s'éparpille pas trop sur la table. Et c'est plutôt sympa. J'en ai un autre en dessous. J'en ai pas beaucoup en réalité des tapis de ce genre-là. J'en ai un autre en dessous pour Star Realm, on pourrait se dire d'ailleurs qu'on pourrait jouer à autre chose que Star Realm hein, là-dessus, mais parfois je trouve que c'est gênant. L'image qu'il y a derrière gêne un petit peu la vision dans certains jeux, j'ai l'impression. Un que vous avez déjà vu, c'est bien sûr mon tapis de Western Legend, qui est très bien, qui est très grand et qui est très bien pour jouer à Western Legend, mais c'est tout. On ne joue pas à autre chose que Western Legend avec celui-là. Et donc, je cherchais des tapis qui seraient un petit peu plus neutres et qui pourraient s'adapter à n'importe quel jeu. Et chez Action, on commence tout de suite, j'ai trouvé ce tapis en néoprène qui fait 40 sur 90 avec un bord. Je ne sais pas si on voit bien, mais on a un joli bord. Donc, c'est un tapis qui est plutôt quali. Ils en avaient de deux modèles. Donc, celui-ci avec une carte. Mais ils en ont aussi des noirs, tout noirs comme ça. Toujours les mêmes, la même qualité, full noir, très sympa. Et bah ça, du coup, j'en ai pris quelques-uns aussi, histoire de remplir toute ma table de tapis. C'est déjà une première chose. D'ailleurs, je vais les installer pour le reste de la vidéo. Voilà, donc je trouve qu'on se retrouve quand même avec quelque chose de très clean, très propre. Ah, j'ai pas dit, un tapis comme ça, c'est 4 euros chez Action. C'est pour ça que c'est intéressant. J'en ai vu des tapis, des grands tapis néoprènes qui pouvaient servir de nappe. Mais c'est le prix d'un jeu. Ici, c'est 4 euros, quoi. J'entends souvent dire que les jeux d'Alexander Pfister, c'est un petit peu des boîtes à chaussures, et honnêtement, je ne peux pas donner tort à cette affirmation. C'est vrai que quand on déballe un de ces jeux, on va se retrouver avec beaucoup de tokens, beaucoup de jetons en bois, et beaucoup de sachets en plastique pour tout ranger, mais pas de thermoformage. Moi, je vais vous montrer ma boîte de Great Western Trail, par exemple. Voilà. Dans ma boîte, j'ai le jeu de base plus l'extension Ruée vers le Nord que j'ai acheté récemment. Donc, on a évidemment le manuel du jeu de base, le plateau du jeu de base, le manuel de l'extension. Là, on voit que j'ai le plateau de l'extension et ça tombe vraiment tout juste. J'ai des deckbox pour mettre les cartes du jeu qui passent vraiment tout juste à côté du plateau de l'extension. Donc là, on a les cartes vaches du marché. Et dans celle-ci, c'est des paquets Magic, mais on s'en fout, hein. Ici, ce sont les objectifs et les cartes vaches de départ. Les sachets ici, je vais les changer, ils sont trop petits. Mais au début, ça faisait le taf, mais c'est vrai que c'est pas pratique pour piocher dedans. On a besoin d'avoir des tokens qui soient face cachée. Donc moi j'ai pris des petits sacs qui je crois sont présents dans la nouvelle édition du jeu, mais là c'était pas le cas. Donc j'en ai acheté des nouveaux qui vont bientôt arriver. Là donc j'ai le plateau de l'extension. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça c'est une boîte qui vient de chez Action. Et dans cette boîte j'ai le jeu complet. La monnaie d'ailleurs. Et alors on remarquera que je plastifie même certains tokens. À la base j'avais acheté ces tokens en plastique, enfin ces coquilles pour les charlatans de Belcastel, pour protéger les jetons, parce que j'avais remarqué que les jetons blancs avaient tendance à noircir à force de les mélanger dans le sac. Et donc j'avais acheté des trucs plus petits comme ça pour mettre les tokens dedans. J'ai trouvé ça très cool et du coup j'en ai repris d'autres tailles pour certains autres jeux, comme par exemple Western Legend. Et je trouve ça très agréable parce que ça, on a vraiment le feeling des jetons de poker quand on manipule ça, c'est plutôt chouette. Voilà, et puis bon, bah, ça protège les tokens, ce qui est un plus. Cette boîte, elle vient de chez Action. Alors, elle est particulière à trouver parce que cette boîte, en fait, on la trouve dans un sac que je vous ai déjà montré précédemment, je pense, puisque moi j'ai rangé mon jeu Terminator dans ce sac et dans un autre sac, j'ai rangé mon jeu Mémoire 44. Parce que là, clairement, c'est des jeux où une fois qu'on a sleevé les cartes et qu'on a acheté une ou deux extensions, il n'y a plus rien qui rentre.
Donc, je peux vous montrer ce sac, hein, c'est pas un souci. Voilà, donc c'est ce sac, c'est un sac vert kaki, un sac avec du matériel de pêche. Et donc, dans ce sac, il y a 6 boîtes comme celle-ci et 2 boîtes plus petites qui font à peu près la moitié de celle-ci qui vont dans les pochettes sur le côté. Ce qui est idéal pour certains jeux. Donc là, on voit que j'ai tout le matériel du joueur blanc, tout le matériel du rouge, le jaune, le bleu, les jetons d'échange, les petites rajoutes qu'on met sur le plateau perso pour l'extension, les tokens des villes moyennes, les tuiles chef de gare, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, bien sûr, le petit token du marché. Voilà, c'est parfait. Là, on a les tokens aussi qui viennent pour en fonction du nombre de joueurs. C'est juste parfait comme boîte pour ranger Western Legend. Great Western Trail, pardon. Ce sac, il doit coûter. C'est un peu plus cher du coup, hein, mais c'est moins de 30 euros, je pense. Et donc, en plus du sac, on a quand même 6 boîtes comme ça et 2 plus petites. Je peux vous montrer une plus petite quand même. Ici, c'est du matériel pour Terminator. Elles sont vraiment pas mal. J'en ai une autre du coup à porter puisqu'il y en a 2 dans le sac. Voilà, pareil, hein, matériel du joueur bleu, rouge, jaune, violet, blanc, les dés de combat. Donc c'est idéal vraiment pour ranger nos jeux. En fait, quand j'ai acheté le jeu Mémoire 44, j'ai vu que sur le site de Day of Wonder, ils vendaient un sac qu'ils appellent le sac de campagne. Pour ranger le jeu en fait avec les extensions. Et je me suis dit, hey, il ressemble pas mal au sac de chez Action. Du coup, je suis allé prendre le sac et c'était idéal pour moi ranger le jeu Mémoire 44 avec des extensions dedans. Alors, j'ai pas toutes les extensions, mais pour l'instant, ça rentre. Parce que le problème, c'est que Mémoire 44, on achète parfois des extensions qui ne sont même pas dans une boîte. C'est-à-dire que si on achète par exemple le plateau de jeu Hiver Désert qui va servir pour les campagnes. Soit sur un plateau hivernal, soit sur un plateau désertique. Le plateau, il n'est pas vendu dans une boîte, il est vendu comme ça, tout nu. Il y a juste un petit papier autour et il faut le ranger dans une boîte. Sauf qu'un plateau de jeu, une fois qu'une boîte est remplie, ça rentre plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa chez Action? Bon, avant de vous montrer, je vais quand même re-ranger le jeu, hein. Donc, ma boîte qui se met. Oui, j'ai même plastifié les fiches, les plateaux perso du jeu de base. Donc pour ranger, je remets la boîte. Je remets ça ici. Je mets ça ici parce qu'il est un peu moins épais. Donc comme ça, j'ai le plat à la même hauteur. J'ai mes 3 petits sachets qui vont venir ici. Mon plateau d'extension. Manuel d'extension. Plateau principal. Manuel. Boîte fermée. Je peux ranger mon jeu à l'horizontale. À la verticale, il n'y a rien qui bouge, c'est magnifique. Donc on est chez Alexander Pfister, je vous montre un de mes derniers achats, Expédition à New Delhi, que je trouve excellent d'ailleurs au passage. Très très sympa, Expédition à New Delhi. J'ouvre la boîte. Ça, c'est une petite boîte qu'on trouve au rayon outils de chez Action. Parce que oui, du coup, le sac avec les grandes boîtes, c'était au rayon. C'est un produit saisonnier, c'est plutôt à la saison de la pêche, et donc c'est au rayon pêche. Mais donc là, on a encore une fois tout le matériel du joueur gris, joueur orange, joueur blanc, joueur marron, toutes les tuiles qui vont sur le plateau pour les bonus de construction, et ce jeton qui ne sert à rien, qui est. C'est même pas un jeton premier joueur, parce que le jeton premier joueur, en fait, c'est le sac. Mais on a un jeton qui indique qu'on a été victorieux. Voilà. Alors là, par exemple, j'utilise quand même les sachets pour moi séparer les paquets de cartes. Et c'est pas mal. J'aurais pu mettre des élastiques. Ici, je n'ai pas slivé les cartes parce qu'on ne manipule pas beaucoup les cartes. Hein. On les garde devant soi et on ne va pas les mélanger 50 000 fois et tout. Donc, je ne les ai pas slivés, surtout que slivés, ça reprendrait beaucoup plus de place. Dans le sac, évidemment, on a tous les petits personnages et j'ai rangé en même temps dans le sac les petits cubes en bois qui vont venir sur le côté du plateau, qui vont servir de monnaie, de ressources et différentes choses. Alors, quand je dis qu'ils vont venir sur le côté du plateau, ils vont venir dans ces petits ramequins, comme ça, qu'on trouve aussi chez Action.
Ça coûte, je sais plus, je me demande si c'est pas 1 € pour 3 ou 1 ou 2 € pour 3, quelque chose comme ça. Il y en a donc des noirs et des blancs, ce qui est très pratique pour s'y retrouver. Vous sort The Loop, qui n'est pas d'Alexander Pfister, le coup, qui est de Maxime Rambourg, Théo Rivière et des dessins de Simon Caruso. Non pas pour le rangement de la boîte, parce que là, bon, c'est pas ouf non plus, hein, c'est aussi une boîte à chaussures, mais ça va parce que, bon, moi j'ai mis des petites boîtes comme ça, je sais plus d'où ça vient, mais c'est très bien parce que là, j'ai même pas besoin de mettre mes ramequins, hein, j'ouvre ça et on le met sur le côté du plateau et c'est réglé. Non, c'est juste pour. Je vous les ai déjà montrés, mais quand on mélange, ça fait beaucoup de bruit. C'est pas si désagréable quand on joue. Et donc, on a des tokens qui, encore une fois, sont protégés. Et c'est très agréable à manipuler. Donc, voilà. Donc, ça vient de chez Amazon. J'imagine qu'on peut trouver ça ailleurs aussi, mais c'est quand même très pratique. Alors, je vous ai déjà présenté Twilight Struggle, mais c'est juste ici pour voir un petit peu les boîtes que j'ai mis. Là aussi, ça vient de chez Action, mais c'est le rayon loisirs créatifs. On a des petites boîtes comme ça où il y a 8 emplacements dedans qu'on ne peut pas modifier. Hein. Ce n'est pas des plaques qu'on peut séparer. Mais on a du coup le matériel de chaque joueur qui est bien rangé. Elles sont pas très épaisses, du coup, en règle générale, on peut en empiler 2 dans une boîte quand ça rentre. Là, on voit que c'est parfait. On n'a plus qu'à rajouter le manuel. Et on peut fermer la boîte. Ensuite, on a Custom Heroes. Je ne sais plus si je vous ai déjà parlé de ce jeu. Peu importe, hein. C'est un jeu de cartes crafting que j'aime beaucoup. Hein. Ça peut ressembler un petit peu au Uno, mais amélioré en mon sens. Hein. Ça ressemble. Donc c'est inspiré du jeu du. Alors je ne connaissais pas. Hein. Le jeu du président ou le jeu du trou de cul, je crois que c'est. Bon, peu importe. Ici, on a une boîte qui est bien faite avec un thermoformage, donc ça c'est chouette. Mais il y a quand même un truc qui vient de chez Action. Alors ici, on a tout un tas de transparents qui vont venir dans le sac. Mais moi, j'ai rangé comme ça, donc j'ai mis les transparents ici. Les cartes ici sur le côté. On a des sleeves qui sont livrées avec le jeu, parce qu'évidemment, les cartes doivent être sleevées, puisqu'on va venir glisser des transparents dedans. Voilà. Et dans ce sac, normalement, on vient mettre donc le paquet de transparent. Mais donc, je prends un de mes petits ramequins, je vide le contenu de cette petite boîte qui vient de chez Action. Là, cette fois-ci, je crois que ce serait plutôt rayon maquillage, peut-être. Donc, on peut mettre quand même quelques tokens, hein, c'est déjà pas mal. Et j'ai pas eu besoin de mettre une deuxième boîte, même s'il y a des boîtes de jeu où j'en ai d'autres, mais je ne sais plus c'est quel jeu. Puisque j'ai mis le reste des tokens dans le sac. Donc quand je fais la mise en place, je vide ce sac-là dans un ramequin, celui-là dans un autre, et ensuite je mets les cartes dans le sac et on est parti. Et les cartes qui ne doivent pas être mélangées avec, puisqu'elles sont destinées aux mains de départ des joueurs, sont rangées séparément et mises en place 1 minute, quoi. Et ça, c'est quand même c'est chouette. Ensuite, cette fois-ci, ça vient pas de chez Action. Il m'arrive d'utiliser ce truc, par exemple pour Terminator ou pour les jeux où on a un marché de cartes sur le côté. Ça permet de ranger les cartes en escalier de façon à ce que même ceux qui sont à un bout de la table voient bien les cartes, parce que parfois les cartes sont posées à plat, on ne les voit pas bien, il faut se lever, tandis que là les cartes sont rangées à la verticale et tout le monde les voit, donc c'est très pratique. On sait mettre quelques cartes là-dedans. Hein. Là je vais réouvrir la boîte de Custom Heroes parce qu'elle est juste à côté de moi. C'est déjà des cartes, c'est un bon format, hein, ça, c'est des cartes assez larges. Et donc, en règle générale, on les met plutôt dans ce sens-là, ce qui permet d'exposer 8 paquets de cartes. Bon, là, je mets juste une carte, mais je pourrais mettre 8 paquets, hein. Ça marche très bien. Si c'est des cartes plus petites, on peut en mettre plus parce qu'elles passent dans ce sens-là. Et on peut les mettre genre comme ça. Et elles vont pas tomber, elles vont peut-être pencher un peu, mais elles vont pas tomber. Donc pour les jeux qui utilisent des mini-cartes, ça fonctionne très bien aussi. Et voilà, ça peut être très pratique. Bon, je vais pas vous présenter les sleeves, mais les sleeves, c'est ce que j'utilise le plus. Je sleeve énormément de jeux, je dépense presque autant en sleeve qu'en jeu. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai que le budget sleeve est quand même déjà un petit peu élevé. Je vous ai pas présenté ça encore, je pense. C'est des boîtes,
On dirait une espèce de dain, comme ça. Ce n'est pas vraiment des boîtes, c'est plutôt des plateaux. Normalement, ce sont des plateaux à bijoux, ou quelque chose comme ça. Il se trouve que quand c'est posé, ça tient plutôt bien. C'est feutré là en dessous aussi. Et c'est idéal pour lancer des dés. Les petits tapis de dés, ah, je ne sais plus combien ça coûte, mais ça coûte rien du tout, quoi. Et franchement, c'est très très bien. Les dés viennent aussi chez Action. En réalité, c'est un jeu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, je l'ai pris parce que je voulais juste les dés de couleur pour Gazland. Je voulais quelques dés de couleur parce que parfois, je reparlerai de Gazland. Hein, maintenant que j'ai fait un grand plateau en 3D et tout, on va faire une fois. J'essaierai de reprendre une vidéo de règles et d'entrer peut-être plus dans les détails que la dernière fois. Peut-être filmer une partie à l'occasion, peut-être que ce sera possible. Mais parfois, on lance certains dés, enfin un certain nombre de dés, et parmi ces dés, il y a des dés qui ne peuvent pas être relancés. Donc c'est bien d'avoir des dés de couleur pour savoir de quoi on parle, mais c'est franchement idéal comme plateau de dés pour quand on est à la maison. Quand on est en voyage, on a toujours les fameux plateaux de dés qu'on peut plier. Mais on ne peut pas dire que ceux-ci prennent beaucoup de place, d'autant plus que je pourrais ranger quelque chose là-dedans et venir refermer avec un autre plateau. Ils s'emboîtent, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. Je ne sais pas s'il y a le prix dessus, il y a un code barre, mais malheureusement, il n'y a pas le prix. Mais de mémoire, ça coûtait vraiment rien du tout, encore une fois, comme d'habitude chez Action. Tant qu'on en est à parler de Gazland, je ne vais pas vous montrer Gazland, mais juste ceci. Donc je me suis acheté encore une fois chez Action une plastifieuse, ce qui me permet de faire des fiches véhicules plastifiées, de plastifier certains plateaux de jeu, comme on l'a vu, mes plateaux de jeu de Great Western Trail étaient plastifiés. J'ai plastifié aussi ceux, par exemple, de Room 25. Voilà, donc là, ça me permet d'avoir les véhicules de test. En fait, quand on fait notre première partie à Gazland, ce qu'on peut faire, ou juste pour faire une démonstration, pour expliquer le jeu à quelqu'un, on peut se faire une équipe où on va juste utiliser un buggy et une voiture. On n'a pas de sponsor, on a juste les armes qui sont marquées là-dessus, donc on a des règles assez simples. On sort deux voitures, deux buggy, si on joue à deux. On sort ces cartes-là. Donc voilà, on fait les deux équipes comme ça. Et voilà, on est parti. Là, je me suis amusé à faire une fiche plus évoluée. J'ai fait une erreur ici, c'est pour ça que j'ai corrigé. Avec un 2, j'avais pas envie de réimprimer. Celle-ci, c'est le même véhicule, mais c'est pas le même sponsor. Donc j'ai fait deux fiches différentes. Voilà, donc très chouette les trucs plastifiés parce que comme ça je suis même plus obligé de venir placer des dés dessus. Il me suffit de venir noircir les cases avec un marqueur qui s'efface hein, si je veux indiquer les points de carrosserie que j'ai perdu. Voilà, et quand la partie est terminée, boum, j'efface et c'est parti. J'ai pas sorti mon éclairage aujourd'hui parce que j'avais un petit peu la flemme et surtout j'avais besoin de faire cette vidéo assez rapidement avant que je n'aie plus de temps. Et je me suis mis juste à côté de la fenêtre. Le problème c'est que je suis en Belgique et que le. Bah, il fait nuit en pleine journée, quoi. Voilà, donc l'éclairage est pas ouf, mais c'est pas très grave. Voilà, donc, et les angles? Eh bien, je me suis acheté un petit coupe-angle, un petit coupe-angle, enfin un arrondisseur d'angle, on va dire, sur Temu. Si je dis pas de conneries, ça venait de Temu et ça coûtait rien du tout. J'avais vu le même sur Amazon, il devait coûter 15 euros et je crois que j'ai dû l'avoir pour 2 ou 3 euros. Je me suis pris aussi, c'est peut-être un gadget, hein, mais dans certains jeux, on a beaucoup d'actions. Et le nombre d'actions n'est pas défini dès le début. Par exemple, ben Raid Orchestra, de base, on ne joue que trois actions. Sauf qu'une des actions, ça va être de lancer nos dés. Et en fonction du résultat des dés, on va gagner de nouvelles actions. Et puis peut-être qu'on va jouer des cartes qui vont nous faire gagner des actions. Et donc, je me suis pris un petit compteur comme ça pour compter. Ça peut me servir à n'importe quoi, mais pour compter des actions, eh ben, c'est plutôt pas mal. Le truc, c'est que pour le remettre à zéro, par contre, il faut tourner et on ne sait pas revenir en arrière. On est obligé d'aller jusqu'au bout. Sinon, comme je commence à avoir beaucoup d'extensions pour Aeon's End, j'ai des compteurs en trop, donc je peux parfaitement utiliser ces compteurs qui sont très bien faits pour compter des points de vie, des points d'action, un petit peu n'importe quoi. C'est très chouette parce que en fait j'ai les trois boîtes de base qui sont sorties en français. Je pourrais vous en parler, mais ça fera plutôt l'objet d'une prochaine vidéo, je pense, hein, puisque en fait moi j'ai fait le choix de ne pas prendre le Legacy,
mais de prendre toutes les extensions du jeu de base, je vais dire, et les boîtes standalone. Bon, vous comprenez, hein. Je me suis aussi acheté, mais c'était vraiment pour tester, j'avais envie de voir est-ce que ça fonctionnait bien, un petit mélangeur de cartes, et je trouve que c'est plutôt pratique. Je vais sortir les cartes de New Delhi. Parce qu'évidemment, c'est pour les jeux où les cartes ne sont pas sleevées. En même temps, une fois que les cartes sont sleevées, on n'a pas besoin de ça. Les cartes sleevées, ça se mélange super facilement. On n'a qu'à emboîter les deux paquets ensemble et c'est réglé. Voilà, donc on coupe le paquet à peu près en deux. On va mettre un paquet ici. Il ne faut pas le mettre trop près du bord, sinon ça risque de coincer. On met le deuxième paquet là, pareil. Et voilà, les cartes ont été interverties. Bon, pour qu'elles soient réellement mélangées, il va peut-être falloir recouper le paquet une deuxième fois. Bon, là, j'ai oublié de remettre ce petit machin-là, mais c'est pas très grave. On ressort nos cartes et normalement, c'est mélangé. Ça va vite et c'est plutôt pas mal. Ce truc-là coûte genre une dizaine d'euros, 10, 15 euros peut-être. Mais honnêtement, c'est un peu gadget. Ce que j'ai aussi, mais je ne m'en sers pratiquement jamais, pourtant c'est très cool. En fait, je l'avais acheté quand on faisait notre campagne sur Terminator. Terminator qui est un de mes jeux préférés, hein, j'adore ce jeu. Une tour à dés que je trouve très bien, elle est bien faite et tout. Juste, je trouve que c'est un petit peu bruyant. Et au final, c'est pas aussi pratique qu'un plateau à dés. Mais je peux prendre une poignée de dés. Voilà, ça marche très bien. Celui-là, peut-être pas été assez loin, mais bon, je vais le remettre là. Et si on veut montrer ce qu'on a eu, on n'a qu'à soulever ça. Et voilà. Encore une fois, je ne me rappelle plus du prix. Par contre, je sais que ça vient de chez Amazon. Et qu'il faut évidemment le monter soi-même. Hein. Ça peut être un petit peu chiant. Mais voilà, ça se fait. Et je la trouve vraiment très jolie. Alors ça peut paraître moche, mais cette partie-là, on ne la voit pas. Donc on la met comme ça. Et de l'intérieur, voilà ce qu'on voit. On voit level 3, level 2, level 1. D'ailleurs, j'ai dû inverser à un moment donné. Je m'étais trompé. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le level 2 soit dans le bon sens. En fait, je me demande, est-ce qu'il doit être visible d'ici ou plutôt d'en dessous? Je ne sais pas. Mais comme ça, je trouvais que ça allait très bien. Donc on en est de parler de plateau à dés. J'avais aussi pris celui-ci que vous avez peut-être déjà vu. Il est un petit peu grand. Voilà. Il est très bien, hein. Celui-ci vient de chez Jouet Club. Je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros. Alors là, tu peux lancer une pelle de dés. Il n'y a rien qui va sortir, sauf si vraiment tu balances comme un bourrin. C'est bien pour jouer au 421, peut-être, au Yams, ou à tous des jeux où on va devoir balancer des pelles de dés. Et il y en a, hein. Il est peut-être un petit peu grand. Donc c'est pour un jeu où on va avoir des plateaux de joueurs perso plus petits et vraiment où le cœur du jeu c'est du lancer de dés. Là c'est très très bien. Mais sinon il faut déjà une grande table. Mais c'est vachement bien. Bon voilà, ça aura été une vidéo un petit peu décousue, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir avec ce fameux sac dont je vous ai parlé, qui était plein de boîtes. Donc ici, j'ai choisi de sortir Mémoire 44. On peut voir que dans une des boîtes, j'ai donc des boîtes comme ça, normalement il y en a 6, là j'en ai utilisé que 2, ce qui me permet d'en récupérer d'autres, par exemple pour Great Western Trail. Donc ici, j'ai l'armée russe au complète, hein. Donc ça vient d'une extension. J'ai, comme je vous disais, les différents plateaux, mais on voit que ça prend de la place, hein, c'est épais les plateaux. Donc ici, j'ai le plateau hiver-désert. Je ne vous le déplie pas, c'est du grand plateau, on voit que ça se déplie bien. J'ai le plateau de base. J'ai évidemment le manuel. Ici, j'ai un sac avec les tokens, les tuiles de terrain plutôt vertes. J'ai un sac avec les tuiles de terrain hivernales. J'ai une boîte, ça vient de quand je jouais à World of Warcraft, le jeu de cartes. Donc, toutes des cartes, plein de cartes. C'est un jeu avec des cartes, hein, donc il va y avoir des cartes. La boîte avec l'armée américaine, l'armée allemande, tout y est, donc c'est très bien, ça ne se mélange pas. Dans la petite pochette de devant, on a encore un manuel d'une des extensions, du coup, donc c'est un carnet de campagne. Hein. Voilà, règle du Blitz.
La Eastern Front, donc ça c'est lié aux extensions, ça vient très bien ici. Sur le côté, on a tous les tokens, donc là ils sont un petit peu mélangés, mais bon, c'est pas très grave, on a les dés, on a les trucs. Toute façon, ces tokens-là, ils sont recto verso avec plein de configurations différentes. Il va falloir bien regarder avant la partie, mais voilà, ici j'ai l'étude de bunker et de pont. Ici aussi j'en ai. Voilà, donc c'est vachement bien, les dés, évidemment. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est les portes. Voilà, j'ai encore de la place pour une armée. En attendant, j'ai mis les porte-cartes ici, mais on n'a pas tendance à servir de ça. On joue avec les cartes en main ou juste on les pose face cachée devant nous. Et voilà. Voilà, donc on a pratiquement un sac de campagne. En plus, il y a marqué Ranger dessus, hein, donc ça colle pas mal. Bon, c'est Max Ranger, d'accord, mais ça colle pas mal encore avec l'univers de Mémoire 44. Voilà, c'est très cool. Donc quand on veut ranger le jeu, encore une fois, on prend les plateaux, on les met ici en faisant bien attention quand même. On vient les coincer avec une boîte, avec une deuxième boîte. On peut mettre ici les cartes, on peut mettre ici les tuiles. On va remettre des tuiles. Oh, il y a encore un manuel, on va le mettre ici dans le fond. Voilà, donc il faut faire. Hop! Ça rentre nickel. Alors, vous trompez pas de sac, n'achetez pas un sac en vous disant je vais avoir 6 grandes boîtes dedans, ça va être vachement bien. Il y a deux types de sacs chez Action, regardez bien. Alors, petite coupure du futur pour vous informer. Voilà, donc le sac que moi je viens de vous présenter, celui que je possède, c'est celui-ci. Malheureusement, apparemment, chez Action, il n'y est plus, en tout cas, il n'y en a plus en stock. Mais c'est bien celui-là où on voit donc qu'il y a 6 grandes boîtes dedans et 2 petites. Malheureusement, ce site-ci, qui n'est pas le site Action, on n'indique pas le prix. Je ne sais pas ce que c'est comme site. Ça doit être un truc qui présente des promos. J'en sais rien. Mais si on va donc sur le site de Action, il y a le nouveau sac, qui est pour le coup un sac à dos. Et il y a 6 boîtes dedans. Donc il y en a 2 grandes, 2 petites et 2 rondes. Voilà, il est moins cher, hein, il est moins cher puisque celui-ci, il coûte 20 euros. Ah, je sais pas s'il est moins cher, je me rappelle plus exactement. C'est possible que l'autre coûtait le même prix. Je le trouve peut-être un peu moins bien, mais surtout par rapport au nombre de boîtes. Après, le sac est peut-être mieux, hein, ça je sais pas. Mais voilà. Soit je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!